Lorsque Pierre m'a demandé une petite description, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui serait un bon défi à faire? C'est de parler des métadonnées du Moyen-Âge jusqu'à Edward Snowden. Nous relèverons le défi. Et ça commence tout de suite. Allons tout de suite à l'agenda. En quatre points, en quatre stations, pourrait-on dire, nous allons parler des métadonnées, de qu'est-ce que les métadonnées, la question de l'intégrité des documents, l'intégrité qui, comme on sait, est centrale à la loi sur le cadre. La question d'authenticité, qui est tout à fait distincte de celle d'intégrité, dis-je. Distincte, oui, il y a certains ajouts qui doivent être faits, et il y a une décision qui a, relativement récente, qui a créé un petit débat avec mon directeur Vincent, ainsi que moi-même et Patrick Jenka. Et en fait, on va parler de l'intégrité, des métadonnées dans le domaine des enquêtes. Donc, avant toute chose, il n'y a pas de période de questions. Les questions, c'est tout le temps. Si vous en avez, ne vous gênez pas pour lever la main et intervenir. On va faire ça de la façon la plus sympathique qui soit. Donc, interactivement, nous allons prendre les questions au fur et à mesure. Donc, un vague plan, une progression, là, on va voir ça, intégrité, authenticité et enquête, là, donc une ligne plus ou moins directe. Maintenant, les métadonnées, de qu'est-ce que c'est? Les métadonnées sont très anciennes, comme on peut le voir, ça date du Moyen-Âge, et je n'invente rien, en fait, pas mieux qu'un exemple pour le démontrer. Ça nous provient d'un article de Fouki Fianou, détecté et prouvé la fausseté au Parlement de Paris à la fin du Moyen-Âge, la fausseté des documents, la fausseté des chartes qu'il y avait dans les chartiers. Donc, on parle de Jean Cessière, qui était travaillait dans un chartier, finalement, qui faisait l'inventaire des documents qu'il avait, qui en faisait une description assez poussée, merci. Il décrit ces documents un à un, mentionnant leur contenu, mais aussi leur aspect physique. Par exemple, le premier contenait deux bouts de parchemin signés et souscrits par cinq tabellions publics de l'unité notaire. Le deuxième, également signé des 15 notaires publics. Et le troisième, un rôle de banque, etc. Donc, on a une description qui est très précise du document. C'est à l'encontre des métadonnées. Et ce à quoi ça servait, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. On leur prête exactement les mêmes intentions qu'on prête aujourd'hui aux métadonnées, celle de retrouver l'information, celle de pallier au risque de faux. Dans les charpiers, dans le temps, lorsqu'il y avait une très piètre gestion documentaire, c'était facile pour un faussaire d'aller s'utiliser, dis-je, un document, d'aller le falsifier, l'altérer, voire même emporter des faux pour, par exemple, se créer une fausse charge et pouvoir aller collecter au nom du roi des impôts en province avec un document faux qu'il aura inséré dans un charpier. Donc, pourquoi Jean de Cessière a passé toute la peine de mentionner tous ces détails, sinon c'est pour mieux retrouver les documents en question, mais également pour pallier au risque de faux, parce que lorsqu'on sait que les documents peuvent disparaître, être modifiés à des fins malhonnêtes ou... ça arrive tout simplement. Qu'est-ce qu'une métadonnée aussi? Petit bond de quelques centaines d'années. C'est des métadonnées qu'on peut trouver dans des photos. Donc, on peut voir ici que c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone cellulaire, avec un temps d'exposition d'un millième de seconde. Il y a d'autres informations qui sont disponibles. Des métadonnées, il peut y en avoir autant qu'on en veut. Il y a des standards de métadonnées, par exemple le Dublin Core, qui en contient pas loin de 200, qui sont relativement standardisés. Donc, pour une photo, on peut savoir, par exemple, la distance focale. On peut avoir toutes ces informations-là aussi, peut-être, juste comme ça, la localisation GPS des îles fournies. Un courriel contient les métadonnées, croyez-le ou non. Il en contient énormément, en fait. Je vous laisse le temps de lire. En fait, pas tout à fait, on va y revenir. Une signature contient les métadonnées. Ce que l'on voit sur un document, par exemple, mon rapport de dépense, c'est une signature. Lorsqu'on clique dessus, c'est dans un PDF. Lorsqu'on clique dessus, on fait apparaître le certificat. Un certificat qui est intégré au document, qui est embedded. Donc, je suis surpris, excusez-moi. Donc, on...
Donc, on trouve toutes ces informations-là relatives au certificat dans le certificat lui-même qui est intégré au document. Lorsque vous l'imprimez, soyez assuré d'une chose, ces informations-là sont complètement inaccessibles. Donc, on va parler pendant un bon 5 minutes de métadonnées. On va se risquer d'avoir une définition, mais pour ce faire, je vais faire appel à un rappeur qui va nous expliquer de quoi il s'agit véritablement. Donc, métadonnées, on pourrait faire un cours en Grèce antique, méthode au sujet de, donc des données sur des données. Mais en fait, je pense que le rappeur Exhibit va beaucoup mieux que moi le préciser. Donc, Exhibit, qui est un nom de circonstance, pouvait-on dire, qui est un champion d'alchimie de la réactivité sur les internets, un meme que vous connaissez peut-être si, comme moi, vous perdez trop de temps sur Internet. Donc, je sais que tu aimes ça l'information. Donc, j'ai mis de l'information dans ton information, comme ça, tu peux être informé quand tu t'informes. J'ai mis de l'information dans ton information. En fait, oui et non, il y a de l'information dans l'information, mais il y a des métadonnées véritablement partout. Il y en a dans les fichiers eux-mêmes, on l'a vu. Par exemple, n'importe quel, c'est vraiment très petit. Dans les propriétés d'un document, on est capable d'aller voir qu'est-ce que l'on voit ici. Tiens, l'auteur, c'est Lamarre, dernier enregistrement par François Sénécal, 4 révisions, le nom de l'entreprise, le nom du modèle, Word qui est servi à faire le document. Donc, c'est très révélateur, on peut trouver beaucoup d'informations, ça peut même être embarrassant dans certains cas, lorsqu'on utilise un modèle qu'on n'aurait pas dû, par exemple, ou que quelqu'un nous envoie un document en fact change, mais qui a tout simplement pas accepté les changements en fact. Ça peut être relativement révélateur, voire dans certains cas pour les avocats, ça peut être, on peut divulguer quelque chose qui aurait dû rester sous le secret professionnel. Dans l'ordinateur, dans les journaux, dans les registres, sur les serveurs de fichiers, donc on peut en trouver énormément, sont au voie ici pour un document benchmark de révision JV suivi moi-même. Tous les groupes d'utilisateurs qui ont accès à ce document-là. Et on peut aller voir les autorisations pour chacun de ces groupes-là. Peut-être que certains de ces groupes-là n'y ont accès qu'en lecture. Certains n'ont accès qu'à l'existence du fichier, ne peuvent même pas l'ouvrir. Donc, il y a des métadonnées partout sur les serveurs, un petit peu partout sur le web. Pensez à toutes les traces d'un courriel. Revenons deux slides avant avec toutes les métadonnées qui sont comprises dans un courriel. En fait, c'est le courriel qui est reçu, le courriel qu'on envoie ne contient pas de métadonnées ou presque. Mais à chaque fois qu'il passe sur un serveur qui fait une opération, le serveur va rajouter une ligne dans les métadonnées. Il va dire, il est passé par moi, j'ai fait telle opération, voici quelques informations. Donc, c'est excessivement traçable. Donc, il y a franchement des métadonnées. Donc, c'était un petit peu le... définition, et on voit vraiment, c'est la réserve que j'ai avec la définition de l'exhibit. On va l'excuser, probablement pas être allé à l'exi en face, mais les métadonnées sont partout, sont dans le document, ils sont à l'extérieur du document. Maintenant, citation intégrité. L'intégrité, comme nous le savons tous, c'est le cœur de la loi sur le cadre concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est sa clé de voûte. On l'a défini à l'article 6 comme étant l'intégrité tant de l'information que du support. L'information qui doit demeurer la même, on ne doit pas y ajouter ou y retrancher. Et le support doit le procurer au document stabilité et pérennité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme on le voit, deuxième alinéa, ça doit être maintenu dans tout le long du cycle de vie du document. Et les métadonnées, de la même façon, vont refléter cet état des choses. Lorsqu'un document est parfait, en anglais, on va l'appeler un record, on va le déclarer comme étant un record, il est fini, il ne doit pas bouger. Les informations l'intégrité de ce document-là doit être maintenue. Ceci étant, j'ai parlé de l'intégrité des métadonnées qui sont incluses au fichier, celles-ci ne doivent pas changer. Par contre, toutes les métadonnées qui sont dans les systèmes peuvent changer. Ça peut arriver, par exemple, qu'un document qui est mis en archivage pourrait ne pas être accessible au même groupe d'individus. Donc, les métadonnées relatives à son accessibilité vont changer. Les métadonnées relatives à son indexation pour qu'on puisse le retrouver pourraient changer également lorsqu'on envoie un document dans un
lorsqu'il change de phase dans sa conservation, lorsqu'il est en archivage. Donc, c'est un petit peu c'est une petite nuance qu'il convient de rajouter, puisque ça enlève beaucoup de pression de dire que toutes les méthodologies doivent être figées au même site que le document lui-même. Oui, mais pas toutes. Donc, ça rajoute un petit peu plus de souplesse, ça aurait été excessivement complexe. Donc, sauf en sauveur, pas d'autres questions? Les plaintes? Non? Ça va? Ça fait? Je vous ai assommé, c'est ça. Donc, composante de l'intégrité du document, les méthodologies, oui, effectivement, elle est incluse, elle est intégrée lorsqu'elle est intégrée au document, et je nous ramène à la définition de l'exhibit. L'information fait partie du document, elle doit donc être préservée en l'état. Et bien, ça se détermine d'une certaine façon. On est capable de calculer une valeur de hachage, qui est l'application d'une formule mathématique complexe et à sens unique, en fait. Pas tout à fait à sens unique, mais ça pourrait prendre des millions d'années dans l'état actuel des ordinateurs pour recréer un document à l'aide d'une valeur de hachage. Donc, on crée une valeur de hachage, et si cette valeur de hachage-là demeure inchangée dans le temps, c'est que le document est demeuré lui-même inchangé. Changer par exemple un 1 pour un 2, c'est assurer que toute la formule, toute la valeur de hachage, que ce soit CHA1 ou MD5, sont des différents algorithmes mathématiques. Ce sont toutes ces informations-là, ces valeurs-là vont changer du tout au tout. Ça devient très facile de déceler un changement dans le document lui-même. Donc, ce que l'on est capable de dire ici, et c'est un rapprochement qui est peut-être un peu rassurant avec le papier que l'on peut faire ici, c'est que cette valeur d'hachage-là apprend chacun des octets du document pour générer la valeur. Et en fait, le document devient quelque chose de fini, devient quelque chose qui a quatre coins, un recto, un verso, donc on est capable de déterminer c'est quoi ses limites, les limites qui sont comprises à l'intérieur de la formule mathématique ou dans sa matérialité, dans la matérialité de la feuille de papier, avec ou sans gauche, avec son trombone, mais soit on est capable de déterminer précisément qu'est-ce que le document. Également composante de l'intégrité du document, je nous ramène à la décision sécurité des deux rives contre le groupe Méridien, construction et restauration. Le courriel reposé au paragraphe 22 ne contient aucun autre détail concernant son origine et son support. Pourquoi? Je vous pose la question. Il avait été imprimé, mesdames et messieurs. Chose à ne pas faire, on l'a vu, là, on a des informations qui sont contenues dans le document. On a imprimé le courriel, probablement qu'on a de A. La date, le contenu du message, mais c'est tout. Aucune des autres métadonnées ne figure dans l'impression, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas interroger le document, on ne peut pas le faire parler, on ne peut pas torturer les métadonnées pour les faire parler. Mais, en fait, le juge ne se fait pas berner, le bon juge Masson, il ne va dire que la preuve de l'intégrité du document se fera par la divulgation des métadonnées qui vont être révélées sur le document indépendamment du site de support en cours. Effectivement, c'est très rare les personnes qui vont imprimer des métadonnées complètes d'un document, d'un courriel. Ça arrive, comme je vous disais, j'adore les métadonnées, donc il m'arrive de le faire à l'occasion en cachette. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le groupe Méridien n'a pas fait la démonstration de l'intégrité du document ni de sa copie. Bref, il n'a pas été capable de convaincre le juge que ce document était un faux, mais en fait, n'était pas un document qui avait été forgé, ce qui avait toutes les apparences d'être le cas. Ceci étant, à quelques réserves, est-ce que c'est possible de faire de fausses méthodonées, d'altérer les méthodonées du courriel? Oui, effectivement, on l'a vu dans la cause Richard contre vous, qui faisait suite au scandale des commandites, où l'expert au polaire, disait à titre d'expert que c'est possible sur un document texte, tout simplement, qui repose sur l'ordinateur, c'est très facile de modifier, d'altérer les métadonnées. Oui, effectivement, mais comme tout document, c'est possible d'en faire des faux. On ne va pas se leurrer, c'est possible de faire des faux documents papier. C'est possible d'altérer les notes sur un bulletin au primaire et de le remettre à ses parents.
Ils vont peut-être se douter de la supercherie, des fois on se fait avoir, on additionne mal, on ne donne pas la bonne moyenne, ça arrive. Mais, bref, c'est détectable. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait des faux documents électroniques, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est possible d'expertiser chacune des informations qui y figurent. Je ne connais pas tous les paramètres, mais certaines personnes sont beaucoup plus calées que moi, connaissent mieux les protocoles de communication Internet. Donc, on va être plus en mesure de distinguer le vrai du faux dans ces informations-là. L'important, c'est qu'elles y figurent et qu'elles puissent faire l'objet d'un débat d'expertise. Donc, maintenant, des fausses métadonnées. On va le voir un petit peu plus loin de quoi, comment on peut gérer ce risque-là. Comme je disais, un document signé va contenir de l'information quant au certificat de signature électronique. On voit ici que c'est un certificat qui aurait été délivré par Entrust, qui est une période de validité qui se renouvelle ou non de façon plus ou moins automatique. Ça, c'est lorsqu'on imprime le document, on voit exactement la même image que. Ce qui est là, c'est-à-dire ma signature avec quelques informations que j'ai rejetées via Adobe. En gros, ce que ça signifie, c'est qu'on est capable d'aller voir, mais ce que l'on voit lorsqu'on imprime le document, lorsqu'on le voit à l'écran sans cliquer sur le certificat, c'est le bout en blanc avec ma signature. Lorsqu'on imprime, on n'a pas accès au truc qui est en rouge, qui est l'émetteur du certificat, c'est-à-dire KPMG. Ce que ça veut dire, ce certificat-là, c'est que KPMG a attesté de mon identité. Le certificat est installé sur mon ordinateur. Seul moi a le mot de passe pour l'ordinateur. On peut utiliser ma signature. En gros, KPMG dit que je suis François Sénécal. Ce qui revient à dire, est-ce que vous faites confiance à KPMG pour m'avoir identifié préalablement? Bon, vous pouvez avoir une relative certitude. Je vous dirais qu'ils ont une bonne certitude. Ils vous restent dans le bon compte en banque. Ça va bien. Donc, je pense que vous pouvez leur faire confiance quant à mon identité. Bon, la même chose ici, on le voit plus précisément. Là, en haut, KPMG Internal Group, c'est le certificat racine. On a deux, trois autres niveaux de certification. Et enfin, moi, mon nom, et on voit à quoi peut servir ma signature. Maintenant, vous avez le même document où vous voyez ma signature, vous cliquez dessus et vous appuyez sur ceci. Ce qui s'appelle un certificat auto-signé. Donc, la bébelle en rouge, c'est non pas KPMG, Internal Issuing, c'est plutôt l'émetteur du certificat qui est moi-même. Ça veut dire, en gros, que je prétends qui je prétends être et que vous pouvez me faire confiance pour savoir, pour que je vous dise qui je suis. C'est un certificat qui est signé de moi-même, il n'y a pas aucune autorité. J'aurais très bien pu écrire, je ne sais pas, Vincent Gauthier, par exemple, et utiliser sa signature. Ça a été beaucoup plus difficile d'aller chercher un certificat signé par l'Université de Montréal et de copier l'image de la signature de Vincent. Oui? C'est en fait l'auto-signature, c'est presque la majorité des signatures, l'autographe. Tout à fait. C'est-à-dire comment la signature manuscrite est fragile. Oui. À moins qu'à chaque fois on traîne un notaire derrière nous pour attester notre identité. Fragile ou non, pas de manière. Ça tombe. Multitude d'hypothèses sur lesquelles c'est plaisant de travailler ensemble. Absolument. Oui, c'est fragile, mais le risque est. En fait, la fragilité est proportionnelle au. Je ne vais pas faire un sujet de moi-même. Oui, absolument. Non, il y a un aspect de raisonnabilité. Si on va voir plus loin, lorsqu'on va parler des outils technologiques pour aller creuser et étudier dans les métadonnées, pour un litige de 1 000 $, on s'entend qu'on n'ira pas. Utiliser des outils technologiques qui coûtent excessivement cher avec une preuve d'expert qui. Pour lequel finalement tout le montant du litige va passer dans ces honoraires. Donc il y a un aspect de proportionnalité ici, mais dans l'absolu, ce que l'on exige de l'électronique, finalement, ça n'existe même pas en papier. Il y a une sécurité qui est très forte avec des certificats qui sont émis par d'autres, mais on pourrait dire que c'est l'équivalent finalement d'un acte d'appel. Où on fait intervenir un tiers ici KPMG ou dans d'autres cas, Entrust ou Notarius. Pour attester de l'identité de la personne pour qu'elle puisse rendre un acte qui est authentique, je ne dis pas authentique au sens de l'acte notarié, mais dont l'authenticité est beaucoup plus facilement démontrable.
réponse à votre question. Non, mais je... Mais ça, c'est un fichier pour le boulot, on peut en parler. Il y a une auteur dans la salle, très vite. On peut les remplacer par... avec des... Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le niveau de sécurité est similaire. On fait intervenir un tiers de confiance dans le processus, exactement pour les actes les plus importants, c'est-à-dire, par exemple, un testament, un contrat de mariage, vente immobilière, hypothèque. Donc, on a besoin du notaire pour servir, pour vérifier de l'identité de la personne du co-contractant. Donc, voilà. J'ai le thumbs up pour une approbation. Donc, maintenant aussi, les métadonnées, on a vu les métadonnées comme composantes de l'intégrité, comme étant soumises à l'intégrité du document lorsqu'elles sont intégrées à celui-ci. On peut également les voir comme étant un indice de l'intégrité. Vont participer du faisceau d'indices pour démontrer l'intégrité d'un document. Ça peut généralement être des métadonnées externes au dit document pour justement démontrer son intégrité, mais elles peuvent être également internes, tout comme par exemple on voit le nom de l'auteur lorsqu'on a vu que c'était Célamar qui a écrit le document. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'ai peut-être utilisé un modèle, je suis parti à peu près de zéro, j'ai laissé traîner les métadonnées, c'est vrai. Mais ça peut très bien, on peut coacher ça, par exemple, par témoignage. Ah oui, voilà. Pour démontrer l'intégrité du document, le petit effet tragique et légèrement comique ici, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas très comique, c'est l'article 7 de la loi concernant la juridique de la technologie de l'information. Un article qui est mal compris, mal lu, mal aimé, qui est relativement facile à détester, où on se dit... S'agit-il d'une présomption d'authenticité du document? Ça existe? Non, c'est pas le cas. S'agit-il d'une présomption d'intégrité du document au complet? Non plus. Il faut faire quand même la preuve de l'intégrité de l'information. Ce qu'on dit ici, c'est uniquement le support de l'information qui est l'objet de cette présomption-là. Ceci étant, vous pouvez le lire environ 4 fois, vous allez avoir besoin d'aide, par exemple, d'un capitaine. Ceci étant, il ne va pas vous aider, Mme Picard, je vous laisse les 3 lettres qui sortent de sa bouche à ce moment-là. Mais vous pouvez vous douter qu'elle commence par vous. Donc, notre bon capitaine Picard qui s'esclave du regard à la formation que certains auteurs ont qualifié d'absconce, de malheureuse, de malhabile, de la présomption de l'article 7. Ceci étant, on n'a pas fini de l'avoir traîné. Lorsqu'il nous arrive d'avoir des décisions pertinentes qui vont relativement bien interpréter, bien comprendre la mécanique, comme par exemple sécurité des deux rives, ça se peut que qu'une décision, par exemple, de 2 semaines arrive et vienne renverser un petit peu la valeur et dire « Yes, finalement, non, c'est correct, vous pouvez continuer à écrire vos documents. » Là, c'est pas conseil. Donc, j'avais cru comprendre. Okay. Donc, on parlait des métadonnées internes aux documents, aux courriels, au même courriel qui avait été imprimé, qu'est-ce qui s'était passé dans sécurité des deux rives. En gros, j'ai besoin de tes services jusqu'à de façon indéfinie. Je paye à l'occasion. Et à un moment donné, ça ne me tente plus de payer. Et ben, je me dis, répétitivement, je vais faire envoyer un faux document, un faux courriel pour annuler les services. Comme je disais tantôt, le juge n'a pas mordu à la leçon. Ceci étant, le document qui avait été présenté une semaine avant l'audience, c'est un document papier qui n'avait pas les métadonnées, et le juge, très clairement, vient dire la feuille de papier produite telle qu'elle ne révèle aucune information permettant à l'autre partie d'en contester l'intégrité. Donc, le document dont les métadonnées avaient été wipées, avaient été masquées, ne révélait pas suffisamment d'informations pour qu'on puisse en attester de la véracité. Et qui plus est, en fait, ne donnait pas suffisamment d'informations pour ouvrir le débat même quant à son intégrité. Maintenant, donc, on a vu s'effacer un courriel, on voit les propriétés d'une photo, les propriétés d'un document Word. Maintenant, le truc un petit peu plus le fun, la signature, le certificat de signature électronique, un truc un peu plus fun, et je suis vraiment content qu'il y ait des personnes de l'FCC qui peuvent être intervenues. Qu'en est-il des formules d'un tableur? S'agit-il de métadonnées, vous êtes dans Excel, vous avez une formule que c'est écrit 7 824 000, mais qui en fait est le produit
d'une produit, en fait un produit d'une somme, mais qui est produit de l'application d'une formule mathématique que quelqu'un va avoir rentrée. S'agit-il de métadonnées comme telles? La question est ouverte. J'aurais tendance à dire que non. Est-ce que ça fait partie du document? Oui. Est-ce qu'il faut les laisser au format natif pour que quelqu'un puisse y avoir accès? Si je vous présente ces trois chiffres-là, probablement que vous n'êtes pas capable, top of your head, de créer, de savoir comment on est parvenu à C. En fait, est-ce qu'on est parvenu à B en utilisant les B à C? Comment ça fonctionne? C'est vraiment difficile lorsque vous avez des feuilles et des feuilles, des fichiers et des fichiers qui sont tous mélangés ensemble. Ça va être rigoureusement impossible. Vous avez besoin, en fait, des informations qui se cachent sous la cellule, des formules. Maintenant, quant à la réponse, s'agit-il de métadonnées, je dirais que ce n'est pas important, ça fait partie du document, ça doit être maintenu tel quel, ça doit être couvert par l'inquiétude. Maintenant, vous connaissez déjà la réponse, là, je vais donner un petit peu. Qu'en est-il d'un fichier de projet, par exemple Microsoft Project? Ou là, c'est un petit peu plus funky ici. C'est un fichier project, en gros, ça sert à planifier des projets, par exemple des chantiers d'hôpital universitaire, ce genre d'affaires-là. Comment ça fonctionne, c'est qu'au lieu d'entrer les chiffres dans des cellules, on crée une espèce de base de données avec toutes les ressources disponibles. Les ressources, ça peut être un contractant, une personne, avec des heures de travail, avec des journées de disponibilité, ça peut être une machine, ça peut être, par exemple, une route. Est-ce que la route est disponible pour aller porter des cargaisons? Donc, on rentre tout ça, on met les contraintes, telle étape doit être faite avant telle autre, telle étape est donc soumise à la complétion de l'autre, ou peut être faite en même temps par différentes ressources. Ça commence à être assez compliqué, il faut comprendre. Donc, on arrive à droite avec un Gantt chart, un diagramme de Gantt, j'ai un UTP. C'est bien le fun, ça, mais quand est-ce qu'on peut le mettre en preuve? Ah ben, j'avais prévu votre question. On le voit dans la décision Stadler-Connard contre Papier-White-Birch, et Papier-White-Birch contre KSH Solution. Grosso modo, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'on avait remis le document projet, probablement Microsoft Project ou d'autres formats plus évolués qui sont utilisés dans le monde de l'ingénierie. Et donc, on a fait une bonne blague à l'expert. On lui a remis au format PDF. Le procureur ou la partie a dit ben, « Merci beaucoup, c'est très apprécié. » Avant que l'expert se dise « Ouais, une minute, je ne peux pas travailler avec ça. Comment est-ce que j'aille rechercher les formules, les contraintes? Il y a eu un retard dans le chantier. Comment je suis capable d'aller savoir d'où provient le retard, quelle ressource n'a pas fait sa job, est-ce que c'était hors du contrôle de la personne que je poursuis ou c'était véritablement dû à une négligence. Bref, on n'a pas pu retracer le chemin critique, entre guillemets. Et là, ça devient intéressant parce que ça amène un petit peu un élément de réponse sur de quoi s'agit-il véritablement. Les formules sont-elles des métadonnées ou non? On dit au paragraphe 8 que KSH, la dépendresse dans la requête, ajoute qu'un fichier informatique, ce genre de fichier-là, c'est pas un document, mais c'est plutôt un outil informatique, un programme. Ça fait beaucoup de sens, en fait, cette question, cette affirmation-là, lorsque l'on y pense. Lorsqu'on voit, Stadler-Connard veut redéfinir la programmation du logiciel utilisé, on pousse un petit peu plus loin, mais ce qu'on peut faire, c'est recréer le programme, recréer les formules pour en arriver à une expertise sur où est-ce que ça l'a dérapé. Maintenant, le document, c'est un outil, c'est un programme, ben c'est un élément de réponse fort intéressant. Lorsque on va fouiller un petit peu plus loin dans le document à la lumière du numérique qui a été créé, qui est un document d'ouvrage collaboratif qui a été créé par des Jean-Michel Salam en face à l'OPSI. C'est un livre qui a été écrit, qui était très exploratoire dans ses façons de faire. On ouvrait pistes de réflexion. L'une d'elles en particulier, c'est de tenter de définir le document comme une forme, comme un signe, comme un médium. Plus précisément, on va se pencher sur la notion de document comme une forme. Le document bon, a plusieurs acceptions, chose qui renseigne, qui communique de l'information.
Donc, le terme forme peut être contesté. On parle ici de formalisme juridique. Quoi qu'on parle de formalisme dans la création du document, le document est un objet, devient appréhendé comme un objet, une inscription sur un objet. Et les inscriptions obéissent à certaines règles de l'objet. Bon, on ne peut pas écrire au crayon de plomb sur un bumper de tracteur, mais on peut le faire avec une roche. Ça, c'est déjà vu, un testament qui a été fait là-dessus, sur un bumper, un pare-choc de tracteur en Saskatchewan. Coup de petit mort canadien. Ça, ça a été reconnu comme étant tout à fait valable. Mais bon, je m'égare, vous n'hésitez pas à me rappeler. Donc, document comme forme, objet, institution qui le constitue, ben, on va le faire évoluer en fait. On va dire un document traditionnel, c'est un support plus une inscription. On le retrouve à l'article 4 dans la loi concernant le cadre juridique des technologies, à l'article 3. Document traditionnel égale support plus inscription. Oui, effectivement, mais on va le faire évoluer un petit peu ça. La notion de support va perdre toute sa rigidité première. Tiens donc. Dans l'équation support plus inscription, les conséquences numériques sur le second terme, inscription, sont tout aussi radicales, effectivement. On peut faire évoluer la notion d'écrit comme forme, de document comme forme. Ainsi, c'est-à-dire, on peut sur ce volet faire un rapprochement avec la notion de programme présentée en informatique. Programme est là égal logiciel plus données. Donc, vous avez vos données, votre base de données, qui est des données brutes, des chiffres dans Excel, avec de la mise en forme, avec un traitement qui a été fait, avec des opérations logiques. Qui dit bien sûr logique, dit logiciel. Donc, on n'a pas un fichier Excel devant nous, on a effectivement un programme dont on voit le rendu à l'écran. Programme qui doit être interprété comme moult autres programmes avec le logiciel en question, mais on parvient à recréer cette idée de document qui contient des données avec, par exemple, un programme des opérations logiques. Ça peut être les données d'un mot, par exemple, avec des opérations logiques mêlées en gras. Les plus vieux d'entre nous, désolé pour la génération de ménage, les plus vieux d'entre nous vont se rappeler d'avoir codé sous WordPerfect avec de la mise en forme à la mitaine, d'avoir écrit du HTML à la main. Donc, on mettait un mot en gras et on codait le mot comme étant en gras. Donc, on a les données d'un côté et on a la mise en forme de l'autre. Dit interpréteur affiche et imprime ce mot-là en gras dans le texte. Donc, véritablement, document papier ou le parchemin, c'est le rendu lui-même. On n'a pas besoin d'aller fouiller en arrière du document pour voir qu'est-ce qui constitue sa mise en forme, sa programmation. Il existe de lui-même. Le document électronique, un petit peu moins. Et je pense que ça fait un bon pont quand même avec la question du fichier Excel, du fichier Project. Voire même d'un fichier Word avec des inscriptions en XML où on va avoir les données ainsi que la mise en forme de façon séparée. Finalement, le document, c'est un rendu, vous l'aviez vu, bien entendu, la trahison des images de René Magritte, c'est une représentation de ce que l'on voit. Vous devez vraiment aller voir, non pas derrière l'image, mais aller voir René pour demander où est donc la pipe. Donc, le document papier est à la fois l'un et l'autre, c'est le rendu et c'est le document et le rendu, c'est la pile ainsi que sa représentation. Ça fait bien. Maintenant, station authenticité. Celui qui invoque un courriel papier, dis-je. Celui qui invoque un courriel papier doit démontrer son authenticité, tant dans sa confection que dans sa non-altération. C'est-à-dire que le document est demeuré intègre, qui est la première composante qui est l'intégrité, mais qui est une seule des deux composantes de l'authenticité avec la confection. C'est-à-dire, effectivement, le document est intègre, mais non seulement ça, mais il a vraiment été créé dans les circonstances que je te dis être vrai pour qu'il crée les effets de droit que je veux faire reconnaître à la Cour en ce moment-ci. Donc, c'est la notion classique de l'authenticité. L'authenticité, confection et non-altération. Dans cette même décision sécurité des deux rives, on la cite, souvent parce qu'elle est récente, mais je ne suis pas sûr que ça existe. Ces notions d'authenticité-là existent depuis plusieurs années quand même. On disait qu'à défaut de remplir les exigences de ces articles, publication des détails entourant la confection.
copie, certification, on parlait de, des articles 28-41 et suivants du Code civil. La défenderesse qui aurait dû, tout au moins, faire témoigner l'auteur du document original. Oui, effectivement, pour tenter de le faire authentifier, parce que c'est possible de faire authentifier un document, non pas par ses métadonnées, mais par un témoignage. C'est-à-dire, lorsque le document ne contient pas ces métadonnées-là, ben, ce sera soit des métadonnées système qui ont été corrigées d'une autre façon par une enquête juridique technologique, ou alors par un témoignage d'une personne qui viendra dire dans quelles circonstances le document aurait été créé. Témoignage qui, bien sûr, est sujet à contre-interrogatoire pour véritablement aller le côté, savoir qu'est-ce qu'il en est véritablement. Donc, je disais qu'on avait eu récemment une petite décision qui a mis, qui dans la ligne droite, en fait, a lancé un petit pavé dans la langue. On s'est dit, bon, en fait, la décision de sécurité des deux rives, ça se rien. Eh bien, non, en fait, dans la décision, commission scolaire, une décision arbitrale relativement récente, un syndicat voulait remettre en doute des photos, voulait en fait faire torturer en fait les métadonnées pour les faire parler. On avait des photos numériques qui avaient été présentées au dossier de la Cour sous format imprimé. Donc, le syndicat qui voulait travailler les métadonnées ne met pas en doute que le support est utilisé, etc., permet d'assurer l'intégrité. On cite encore une fois l'article 7. Mais en fait, le décideur ici, l'arbitre, vient dire que les témoins et les fiches de travail peuvent apporter la réponse à cette question. La réponse à quelle question? Toutes les métadonnées de la date, de la photo, les circonstances, peut-être même la géolocalisation. Dans le cas d'une enquête, à l'occasion, on peut suggérer à des enquêteurs de faire d'activer la géolocalisation des photos. Donc, ben c'est ça, le décideur a dit, ben, vous pouvez tout à fait témoigner, il n'y a aucun problème, la personne accepte que ces informations-là représentent suffisamment le document, mais vous pouvez faire témoigner une personne et non pas les métadonnées, ce qui, à mon humble avis, est tout à fait vrai pour authentifier un document. Vous pouvez faire authentifier un document par autre chose que les métadonnées du document. Ceci étant, si elles y sont, pourquoi ne pas le faire? Par contre, c'est au niveau de l'intégrité du document, ça a été atteint. On a atteint à l'intégrité du document, on n'a pas documenté le transfert, on n'a pas dit dans quelle mesure on avait protégé les métadonnées, peut-être qu'il n'y avait pas de métadonnées sur ces photos-là, j'en doute. Mais c'est possible de le faire, ça n'a tout simplement pas été fait. Donc, la demande pour la production des documents originaux, source électronique, n'a pas été faite. Sur la question de la provenance des documents et d'imprimer des documents provenant des internets, une décision fort sympathique a touché contre un ordinateur employeur qui décide de mettre en preuve des décisions sur Facebook qui lui ont été communiquées, bien sûr, dans les documents électroniques, sinon ça serait pas les principes, qui ont été obtenus d'une certaine façon, pas du tout louche. On a glissé sous la porte d'une secrétaire les documents Facebook. Ça semble comme un règlement de compte, est-ce que c'est vrai ou pas, qui suis-je pour juger? Ceci étant, lorsqu'on veut faire témoigner quelqu'un, dans quelles circonstances ces documents-là ont été produits? Lorsqu'on fait témoigner la secrétaire qui a reçu ces informations-là sous sa porte, c'est très difficile de dire « oui, ce matin, j'ai repris la machine à café » et les documents étaient là. Il n'existe pas de telle chose que la génération spontanée de documents. Que ceci soit clair. Donc, ces documents-là viennent de quelque part, ont été créés par quelqu'un, quelles étaient ses intentions, c'est impossible à savoir, on ne peut même pas la faire témoigner. Le document ne parle pas de lui-même. Conclusion, ben, vous en doutez, l'objection relative à la production a été accueillie parce que c'est impossible justement de faire parler des métadonnées inexistantes d'un document qui peut ou non être vrai ou faux, c'est juste impossible. Maintenant, jason enquête. Et on a vu une petite progression quand même, on a parlé des métadonnées, de quoi il s'agit, l'intégrité du document qui contient des métadonnées, l'intégrité telle que démontrée par des métadonnées, l'authenticité, donc on élargit encore un petit peu le cercle, l'authenticité en fait qui va être démontrée par un faisceau d'indices qui peuvent se retrouver dans les métadonnées. Authenticité, le document n'a pas été modifié, vous voyez mes logs de serveur. Ils n'ont pas été altérés, ils n'ont eu aucun accès à ce document-là, c'est la sécurité, les logs de sécurité démontrent qu'il n'y a eu aucun accès dérobé.
Bref, on a des métadonnées, des logs, des informations, et on est capable de les faire parler, de parler de l'authenticité dans un niveau beaucoup plus vaste. À un moment donné, on est capable d'aller faire beaucoup plus, on est capable d'enquêter. On est capable d'aller chercher de l'information dans les documents pour les faire parler, faire l'enquête, et finalement, on le voit ici. Une décision parfois fort hilarante de l'an passé où on parle de Bozo, de Poto, dis-je. La défendresse, qui était Desjardins Assurance Générale, voulait faire expertiser, a fait expertiser des photos de quelqu'un qui prétendait faire une. Qui l'a fait, c'est ça son malheur. Il a fait une demande à son assureur, suite dans le vol. Donc, il dit, il arrive fréquemment de prendre des photos de mes biens, comme les bons citoyens. Prendre une photo de mes biens et les faire assurance, quand même, des fois que. Donc les photos auraient été prises quelques mois avant. On ne va pas vous enduire dans l'erreur. Pas du tout, les photos ont été prises la veille de la réclamation d'assurance. C'est nos Bozo avaient tout simplement oublié de wiper, voire d'altérer les métadonnées. Donc on voyait que ça avait été prise à 18h30 avec un appareil PowerShot. C'est donc très précis s'il y a eu de la géolocalisation de notre pouvoir. D'un autre côté aussi, si vous voulez faire une fausse déclaration, personnellement, ce que je vous déconseille, que ceux-ci sont enregistrés. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas d'émission de télévision qui joue et qu'on soit capable de dire cette émission-là est passée à telle date. Quand vous prenez une photo de la table, mettez-moi un journal avec les dates. Paragraphe 17 et 18 de la liste. Donc, les métadonnées peuvent parler. Maintenant, vous êtes tous au courant, vous ne ferez pas l'erreur de ces bonzos-là. On a ça pour nous, certaines personnes vont les réitérer. C'est la faute des dessus, ça fait des très bien. Donc, le même courriel ici, le courriel de tantôt, comme je disais, on va lire ça au long. Première page, j'en ai plusieurs comme ça, le reste, je... OK, on va couper court. Où est-ce que ça? Ça, c'est le fun. Non, ça ne fait pas très bien, ça, non plus. Ah, voilà. Pointeur à l'avant. Super. Bon, de moi-même à moi-même. Sujet de la moustache. Un mot de la moustache. Voilà. Change. Nous. Tout je ne le trouve pas. Tout va bien. Je me suis préparé, vous le voyez. On ne le trouve pas, mais quelque part là-dedans, on trouve. Ah, voilà. On trouve une métadonnée fort intéressante. Receive from. Ah, fini, c'est ça. C'est pas tout à fait le même courriel. Et il m'arrive à l'occasion de m'écrire des courriels de la main droite que je vais lire de la main gauche. Donc, les métadonnées vont parler. Receive from 199.192.htm. Par HTTP, donc par Internet. Donc, j'ai été sur Yahoo Mail. Quelqu'un est allé là-dessus. On va utiliser de l'information. On va aller chercher l'adresse IP. On va s'amuser un petit peu. On va faire un reverse lookup. Donc, l'adresse IP est attribuée par mon fournisseur d'accès Internet. Fournisseur d'accès Internet qui, pour me l'attribuer, doit l'avoir en être propriétaire. Et qui dit propriété d'adresse IP, dit DNS, dit ça laisse des traces quelque part, un petit peu d'enquête, c'est ma foi fort facile et fort sympathique, je n'ai rien à faire de toi. Donc, les résultats, ça dit ça appartient à téléphone. Donc, on a tout simplement à me mettre dedans la boîte, et me dire monsieur Sécal, quel est votre fournisseur d'accès Internet? Téléphone. Donc, on peut dire que si vous avez envoyé un courriel à partir d'une adresse courriel qui leur appartient, vous l'avez envoyé chez vous. Donc, je n'ai pas le choix, je l'ai envoyé à partir de chez moi. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas prétendre avoir été à Québec cette journée-là, alors que j'étais à Rabat. Est-ce que c'est possible, oui, de prendre contrôle à distance de mon ordinateur dans une autre desktop? Oui, tout à fait. Mais bon, encore là, l'interrogatoire va le révéler. Voire même l'expertise de mon ordinateur qui va dire non, puis les bords de mon desktop sont bloqués. Il n'y a pas d'application de mon desktop sur mon téléphone cellulaire. Donc, il n'y a aucune façon, on peut conclure de façon raisonnable qu'il n'y a aucune façon pour moi d'avoir envoyé un courriel, sinon que j'étais chez moi à ce moment-là. Les métadonnées qui parlent, la même affaire, l'anatomie d'un tweet. Faisons bien attention à notre accent ici. Donc, on va s'amuser un petit peu, on va aller voir les métadonnées d'un tweet. Il y en a en bon français beaucoup.
C'est un petit peu trop petit, malheureusement, il n'y a pas la référence, encore mieux. Donc, on a l'ancien unique du tweet, la date de création, le fuseau horaire, on aurait même les coordonnées GPS si j'avais activé sur mon téléphone cellulaire et que j'avais envoyé de mon téléphone cellulaire. C'est tout juste s'il n'y a pas le nom de jeune fille de ma mère. Donc, il y a beaucoup d'informations, informations qu'on est capable de faire parler, dont la plupart des utilisateurs ne sont pas au courant d'eux. Et ça vient un peu pallier au fait que, certes, les enquêtes technologiques, c'est pas toujours évident, mais ça laisse des traces, on est capable de creuser, on est capable d'aller fouiller derrière. Également, les outils technologiques vont profiter de toutes ces méthodologies qui traînent, tous ces logs, tous ces journaux-là qui traînent dans votre ordinateur. Je me suis amusé un petit peu ce matin. J'ai été voir, tiens François, combien de clés USB différentes que tu as prises dans ton ordinateur? Donc, on va aller, on trouve sur Google que la recette, c'est très facile. On va dans le registre, on a la clé ici, ça c'est le chemin d'accès, un petit peu comme une adresse web, mais dans le registre. Et puis, on apprend que j'ai publié une bonne douzaine de clés USB, dont la première, c'est mon téléphone cellulaire. Et fait intéressant, bon, on a toutes les autres de marque générique, de marque Seagate, Backup Plus, ça c'est un disque dur externe. Donc, si par exemple, je n'ai pas le droit de plugger dans le disque dur externe sur mon ordinateur parce que je pourrais siphonner de l'information confidentielle, ça laisse une trace ici. Il faudrait pas que j'oublie d'aller la lire. Ceci étant, si je voulais vraiment l'étaler du fait, j'aurais peut-être un petit peu de difficulté parce que j'ai fouillé un peu plus loin pour aller voir les propriétés de l'Undel, par exemple. Est-ce qu'il y a, par exemple, chacune des dates à laquelle j'ai plugué mon téléphone cellulaire dans mon ordinateur? Je ne sais pas. C'est tout simplement que, en fait, très probablement que le logiciel de sécurité que Capgemini a installé sur mon ordinateur m'empêche de le faire. Donc, ben, je n'y ai pas accès. Est-ce que ça l'a fait un flag quelque part? Quelqu'un s'est dit, ah, il essaie d'aller fouiller dans son registre. J'ai fait bien pire, d'achetez-vous. Mais je ne peux pas aller savoir cette information-là. Vous pouvez le faire à domicile. Faites juste attention à ce que vous faites. Le registre, c'est un espoir. C'est qu'il convient de ne pas structurer trop. Il faut voir sans savoir ce que l'on fait ou ce que l'on cherche. D'autres outils technologiques pour aller chercher ces informations-là et les chercher d'une façon que l'on puisse défendre devant un tribunal, bien, il y en a plusieurs. Comme tu disais, on peut calculer des valeurs de hachage, il y a des petits outils gratuits pour le faire, mais des outils technologiques qui sont un petit peu plus complexes. On a l'exemple de X1 Social Discovery qui va aller siphonner les réseaux sociaux. Bon, certes, ça prend le mot de passe, mais lorsqu'on est capable de contraindre quelqu'un avec des documents, on peut le contraindre avec des mots de passe pour aller chercher ces informations-là. Sinon, on peut toujours aller faire une demande directement par en arrière à LinkedIn, par exemple, qui ont énormément d'informations sur vous. Le temps que vous passez sur chaque page, qu'est-ce qui vous attire? En fait, quel espace de la page qui peut attirer votre attention, le chemin d'accès suivi à chaque fois, l'adresse clé, bien entendu, c'est Kevin. Bref, ils ont énormément d'informations que l'on peut faire parler, par exemple, dans des cas de harcèlement, où on est capable vraiment d'aller voir de façon très précise qu'est-ce qui se passe. Petit truc intéressant, on est capable, si les tweets sont géolocalisés, on est capable de les mettre sur une carte, hein, puis dire, peut-être pas au témoin, mais c'était quelque part d'autre. On est capable vraiment de voir ça. C'est un petit plus un gadget autre chose. Mais il y a des outils vraiment excessivement puissants qui sont capables de faire le boulot. Par exemple, Encase, où là, c'est véritablement du forensic, des enquêtes juridico-technologiques, où on a quelqu'un qui est petit disclaimer par ailleurs, on fait ça au bureau. Donc, où on a quelqu'un qui est spécialisé dans la manutention de ce logiciel-là. Qui sait comment, qui sait toutes les méthodologies pour aller chercher ces informations-là, les faire parler et surtout les préserver. Est-ce qu'on ouvre l'ordinateur, on met une clé de USB dedans, on prend une copie? Grave erreur, parce que juste le fait de la rentrer, on en a discuté, ça crée une entrée dans le registre. Donc, vous l'adhérez, vous n'ouvrez pas l'ordinateur, vous bloquez en écriture, vous faites une copie miroir, vous travaillez sur la copie miroir. Si l'ordinateur roule, la façon, c'est qu'on ne va pas le fermer, en fait, tout simplement tirer la plaque. Parce qu'on ne veut pas que tous les scripts de fermeture de Windows viennent altérer l'ensemble des documents système si c'est sujet, bien entendu, si ça peut être sujet à modifier les documents après lesquels nous sommes ou qui pourraient nous aider dans l'enquête.
Donc, on a plusieurs objectifs là, sur les méthodologies, assister l'enquête, exploiter les bases de données publiques. On a vu le WHOIS de Weaver's DNS qu'on a fait tantôt pour savoir que j'étais bel et bien chez moi quand j'ai envoyé le courriel. On a aussi la capté de l'OSFO, mais on est aussi capable de le faire à distance. On se bloque sur le réseau, on est capable de siphonner l'information sur le réseau de la personne cible. C'est des outils technologiques qui vont comprendre les différents formatages de documents, donc qui sont capables de comprendre les documents qui ont été créés dans le 25 ou 30 ans, qui comprennent la structure pour les exécuter. On a vu un document, c'est un peu un programme, donc on est capable de lire les instructions et de les réexécuter pour avoir un rendu humainement lisible. Bien entendu, maintenir l'intégrité, il n'en fait aucun doute, et pouvoir la documenter, pouvoir démontrer qu'on l'a maintenue. Donc, une preuve juridico-technologique, c'est quoi? C'est bien entendu des outils technologiques puissants, FTK et NCASE. Il y en a d'autres, c'est les deux plus connus. C'est des outils quand même très complexes. Et c'est surtout la méthodologie, les choix qui sont faits. Il n'y a aucune saisie qui est la même. Il y a toujours des petites modifications. Et ce sont les choix qui devront être documentés selon une méthodologie précise. C'est une expertise qu'on va aussi chercher pour savoir comment l'utiliser sans scraper la preuve. Là où elle se trouve, une fois que la preuve originale a été altérée, je veux dire, le dossier n'existe plus. Ce qui est important ici, c'est que lorsqu'on fait affaire à un expert géotechnologique, c'est d'être en mesure de pouvoir le faire témoigner, de dire cette personne-là sait de quoi elle parle. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui a pris une clé USB qui a copié le contenu de l'ordinateur. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui a les credentials pour se faire attester comme expert à la cour et qui est capable de dire « oui, j'ai eu telle difficulté, on a fait ça, c'est dans les pratiques généralement reconnues, ça a tel risque et on l'a patché de telle façon, on l'a corrigé, on l'a prévu le risque. » On est capable donc d'authentifier le document, c'est-à-dire « oui, c'est bel et bien l'ordinateur que j'ai saisi, on a le procès-verbal du huissier qui participait par exemple à l'exécution d'une ordonnance pour aller chercher l'information dans un autre lieu. Donc, on l'authentifie, c'est effectivement cet ordinateur-là, c'est l'ordinateur de la personne, les documents sont demeurés intègres et on peut les utiliser à la cour, donc il n'y a aucun risque en fait de se faire challenger et de perdre un challenge quant à l'intégrité des documents. Bien entendu, l'intégrité, ça se retrouve être le nerf de la guerre dans les procédures. Surtout en matière pénale et criminelle. Et bon, ça nous provient du livre de Scopic. Maintenant, vous voyez, ça couvre très large. On est capable d'aller capter vos ordinateurs, on est capable d'aller sur les internets, d'enfiler. On arrive pas mal à la fin de la présentation.